Rendez-vous sur l'hipporum de Chantilly pour le Quintet Plus de ce mardi 12 juillet. 16 galopeurs de 3 ans vont s'affronter sur les 1200 mètres en ligne droite. Mon favori est le numéro 3, Montussan. Elle vient de bien se comporter dans une listelle et pour son premier handicap, elle est associée à Christophe Soumillon. Elle peut s'imposer. On passe désormais au numéro 1, Cours du Roi. Il a gagné avec brio un quintet plus à Paris-Longchamp avant de confirmer sur cette même piste en terminant deuxième dans une course de référence. Il faut de nouveau lui faire confiance. On s'intéresse maintenant au numéro 10, Régalien. Il n'est jamais sorti des 4 premiers en 37 de valeur et il a déjà bien fait sur le parcours du jour. C'est une belle possibilité. On fait confiance également au numéro 9, Jovial Béret. Lors de son avant-dernière sortie, elle n'a jamais pu trouver l'ouverture, comme vous pouvez le constater sur ces images. Ensuite, elle a conclu bonne deuxième à Marseille-Vigo. Attention à elle. On enchaîne par le numéro 7, Thierrache. Elle est irréprochable en 3 courses et semble être prise à une valeur intéressante pour ses débuts dans les handicaps. La méfiance est de mise. Et on conclut par le numéro 2, Mico Léo. Il fait absolument toutes ses courses et a fini 5e d'allo similaire le 12 mai à Paris-Longchamp. On vous propose un quintet plus combiné en 6 chevaux, 3, As, 10, 9, 7 et 2, pour un montant de 12 euros. Retrouvez mon analyse détaillée sur equitia.fr et pour plus d'informations concernant cette course, rendez-vous également sur notre site.